végétaux. Très bien. Bonne journée. De même. Au revoir. Un brin de courtoisie dans un univers d'incivilité. À la déchetterie de Saint-Junien, depuis près d'un an, des actes malveillants viennent s'ajouter aux vols récurrents. Les tags sur les mobilhomes et tout, plus mélange de produits, produits dangereux, également dangereux pour nous. Et tout ce qui est fil électrique, petit électroménager, bornes textiles éclatées, voilà. Entre grillages coupés et déchetteries sauvages improvisées à proximité, le CIDED, le syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers, a décidé de faire appel à une société privée pour sécuriser le site en dehors des heures d'ouverture. Aujourd'hui, nos élus ont fait le choix d'avoir recours à une société de gardiennage sur Saint-Junien pour améliorer aussi les conditions de travail de nos valoristes. Vous en êtes à combien de dépôts de plaintes depuis le début de l'année ? Alors, on est à une soixantaine de dépôts de plaintes depuis l'année sur l'ensemble des 25 déchetteries du territoire. Une soixantaine de plaintes, dont une trentaine rien que pour le site de Saint-Julien. Une déchetterie devenue une cible pour les malfrats, qui eux-mêmes sont devenus une cible pour la gendarmerie nationale. Il y a des investigations qui sont en cours. Les difficultés jusque-là tenaient à l'identification des auteurs. Évidemment, nous avions des pistes, mais il s'agissait vraiment d'avoir un moyen de remonter jusqu'à eux. Il y a des choses intéressantes et qui pourraient être traitées dans un proche avenir. Depuis début septembre, la collecte des textiles a été suspendue pour une durée indéterminée. Entre dégradation et manque de revente de matériaux, la perte financière pour le CIDED est estimée à ce jour à 40 000 euros.